parce que la famille, parce que c'est le fils qui prend le titre de la famille du père, et qui c'est le fils, le garçon qui fait le culte des ancêtres pour faire la continuité de la famille. Et sinon, il y a l'adoption qui existait depuis plus longtemps au Vietnam aussi. Non? C'est récent. On adopte, mais c'est pour une raison quelconque. Par exemple, si le roi n'avait pas d'enfant, par exemple, il peut adopter un garçon qui est le fils de son frère, par exemple. Mais c'est toujours dans la chaîne de la famille royale. Le camion est parti. Le premier carter, c'est portant, oui. C'est ça? Et deuxième? En fait, il faut prendre les deux. Les ouais, deux c'est derniers, le, voilà. C'est oui, dans ce sens-là qui. Le dernier. Le dernier. Les deux pour regarder. Ou, oui. Le premier huir, c'est lecture, enfin regard, voir. Donc, ah, c'est la ville de théâtre, à mon avis. Ça porte oui, le monument de lecture. Oui. Vous allez être ravis parce que c'est, ouais, c'est sûr. C'est magnifique. Il bouffe tout, hein, là, il y a l'intérieur. C'est dingue. Il reste plus rien. Devant le palais de culte, et dans cet endroit-là, il y en a plusieurs. Mais celui-là est le plus important parce que ça relate toute l'histoire du Vietnam. C'est non pas du Vietnam, c'est de l'époque royale. De 1802 jusqu'à 1945. Le pavillon devant nous est appelé le pavillon de la splendeur. Ce pavillon est dédié non seulement au roi, mais aussi aux mandarins qui ont contribué à l'édification et à la défense du pays. C'est le seul pavillon qui a l'étage. Et la hauteur de ce pavillon servait de limite de hauteur pour tous les pavillons. À cause de la signification importante. C'est non seulement dédié au roi, mais aussi à tous les mandarins qui ont contribué à l'édification du pays. Et devant le pavillon de la splendeur, il y a les 9 urnes. Il y a 9 urnes. Chaque urne correspond à un roi. Dedans, il y a 7 autels de culte à l'intérieur. Les 7 premières urnes correspondent à chaque autel de culte dedans. Les 2 dernières urnes ne représentent à aucun roi. Si vous observez les anses, les pieds, les urnes, ils sont tout à fait différents. Donc, ce ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Pas les mêmes. Nous allons nous approcher pour voir la sculpture du culte. Pour remarquer, il y a une urne qui est un peu plus avancée par rapport aux autres parce que cette urne est pour le roi Jialong, fondateur de la dynastie. Il mérite d'avoir une urne plus grande que les autres. Sur chaque urne, il y a le caractère chinois qui signifie l'urne et qui signifie le titre du défunt. Le titre du défunt est donné d'avance par le deuxième roi. Et sur chaque une, il y a 17 images. Ces 17 images sont tout à fait différentes. Ça fait 149 images différentes, représentent la richesse du Vietnam.
ça ressemble. Ici, c'est le dragon. Et l'autre, c'est le tigre, le lion, etc. Ici, c'est le delta du Mekong. L'autre, c'est le delta du fleuve rouge, la rivière des parfums, etc. Donc, ça représente la richesse du pays, du Vietnam. Et le fait de couler ces 9 urnes, c'est pour exprimer la richesse et aussi le souhait de longévité de la dynastie. Ça, c'est fait à la main. Tout ça, c'est fait à la main. Ça montre le niveau, haut niveau, de maîtriser, de fabriquer des objets en bronze du peuple vietnamien. Et malgré le temps, malgré les intempéries, les urnes nous restent jusqu'à maintenant. C'est quelque chose de miraculeux. À part ça, les impacts de la guerre. À part des impacts de la guerre. On ne dit pas des trous de balles, on dit des impacts de la guerre. C'est bien joli. Il est rentré. Bon. L'année dernière, les travaux ont fini l'année dernière. Les bonsaïs. C'est la première. Oui, c'est la première. Les deux. J'en suis avancé, c'est la première fois encore. Non. Maintenant, nous allons voir le dernier pavillon. C'est globalement des pavillons. Vous êtes ici dans l'endroit où il y a plusieurs palais de culte. Ce palais de culte est le plus important parce que ça relate toute l'histoire de la dynastie royale. Dans ce palais, vous trouvez, il y a 10 hôtels de culte dédiés aux 10 rois. Toute la dynastie royale comprenait 13 rois. 13 rois. Et pourquoi ici, il n'y a que 10 hôtels? À part le roi Bao Dai, qui est décédé en France, à Paris, en 1997, à l'âge de 83 ans, il faudrait avoir 12 hôtels de culte. Mais ici, il n'y en a que 10. Pourquoi? Parce qu'il y en avait deux rois. Il y avait deux rois qui ne méritent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas avoir l'hôtel de culte? Et au jour de deuil, de l'enterrement, de funérailles de leur père. Ces deux rois, qui sont des successeurs, ne portaient pas de costume de deuil en couleur blanche, mais ils ont porté le costume de bleu, en couleur bleue, c'est la couleur d'espérance. Et deuxième raison, ils ont introduit le catholicisme dans la cour royale. Et troisième raison, ils ont supprimé une partie du testament laissé par leur père. Quatrième raison, ils ont des relations avec les filles d'honneur de leur père. Alors, un qui était emprisonné et qui était décédé de faim un mois après, et un qui était empoisonné. Et si vous remarquez la peinture des hôtels de culte, il y en a un ici et deux au fond avec la peinture fraîche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 7 hôtels de culte dédiés aux 7 rois correspondant aux 7 urnes à l'extérieur. Les 3 autres rois ont été reconnus pour leur sentiment patriotique pendant l'occupation des Français. Alors, après le départ des Français en 1954, par la demande de la famille, on a fait une cérémonie
pour introduire les trois autels de culte dédiés aux trois autres rois. Et après, à l'occasion de restaurer tout le temple, on a peint sur les trois autels de culte. C'est pour ça que la peinture est fraîche. Au milieu ici, toujours dédié au roi Xialong, le fondateur de la dynastie. Et c'est placé au milieu le brûle-parfum. C'est le brûle-parfum, ce n'est pas pour mettre des cendres du roi. Et un peu plus grand par rapport aux autres brûle-parfum, parce que c'est le fondateur de la dynastie. Il mérite d'avoir ensuite premier à gauche, dédié au deuxième roi. C'est le roi Menmeng. On commence d'abord par la position gauche. Dans le livre, appelé le livre ou bien dans les pieds, on lit que la position gauche est plus importante. Malgré le bien que l'on prenne le stylo et la tablette avec la main droite, mais on dit que la position gauche et le côté gauche est plus important. On commence toujours à gauche. Premier gauche pour le deuxième droit, premier droite pour le troisième droit. Ensuite, de suite, deuxième gauche pour le quatrième droit. Et le règne du roi Yalong dure de 1805 jusqu'à 1820. 1805 juste pour le roi Yalong. Il a choisi les deux règnes. Parfois, au décès du roi, il n'y a pas de titre de règne. Donc tout à l'heure, vous allez voir, il y a une seule tablette funéraire si le roi n'avait pas choisi le titre de règne. Et parfois, il y a deux tablettes, c'est-à-dire le roi avec une reine. Et parfois, il y a trois tablettes, le roi avec deux reines. Pour le deuxième roi, qui s'appelle le roi Menmeng, son règne durait 20 ans, de 1820 jusqu'à 1840. Parmi les 13 rois de la dynastie des Wing, le roi Menmeng était le roi qui avait beaucoup de plaisir, qui était le plus vigoureux. Chaque nuit, il faisait venir 5 femmes. Et suivant le calendrier lunaire, une nuit est divisée en 5 séances, correspondant à 5 séances. Le roi faisait venir 5 concubines, parfois séparées et parfois en même temps. Il est décédé à l'âge de 54 ans et il avait plus de 200 femmes. Il a laissé 142 enfants, 64 princes et 68 princesses. Et pourquoi le roi pouvait faire venir tant de femmes comme ça pour faire des relations intimes toutes les nuits comme ça? Parce que chaque roi est occupé, soigné par les médecins traditionnels. Ceux-ci prennent soin de toi, de croix, et aussi lui pratiquer une sorte de médicament magique qui comprenait plusieurs ingrédients dedans, comme du gingembre, du ginseng, le serpent, testicule de bouc, ça ni de d'hirondelle, c'est une sorte de salangone qui fabrique, qui confectionne leur nid par leur propre barbe. Et une fois séché, ça devient dur et ça sert le nid des hirondelles. Et les pêcheurs, les chasseurs hissent sur les falaises à brutes pour récolter des nids d'hirondelles. Et ça pour l'exportation, ça coûte très cher pour faire la soupe. Et ça, c'est pour le roi, pour faire la soupe. Et ça lui donne de la fertilité. C'est noté ici l'alcool qui porte le nom de ce roi, l'alcool de Menmeng. Dans cet alcool, il y a plusieurs ingrédients. Et vous connaissez la vertu de cet alcool. Maintenant, on a du Viagra. Oui. Ils ont copié le... je vous raconte une histoire. Il y a un couple dont la vie intime ne marche pas très bien. Et la femme voulait bien que
son mari prenne du Viagra. Mais son mari a peur des effets secondaires, des conséquences du Viagra. Il ne voulait pas prendre du Viagra. Mais la femme voulait bien. Et un jour, la femme a mis du Viagra dans la soupe de spaghetti pour servir à son mari. Il n'aime pas Sophie. Et elle a apporté cette soupe de spaghetti à son mari. Et dès qu'il met les baguettes dans la soupe, c'est curieux, tous les spaghettis se dressent. Le roman Dialon est né en même temps que en même année que Victor Hugo, parce que cette année en fait le 200 ans de Victor Hugo, il a eu 802. Ça c'est une sorte de palanquin. Quand le roi est sorti, il est accompagné par une centaine de personnes. Et les premiers portent des palanquins pour protéger le roi et aussi pour montrer le respect du peuple envers le roi. Nous allons nous approcher de ça. Voilà, au fond, c'est des tablettes comme des tablettes funéraires posées sur le trône. Ici, c'est pour le roi Yalan. Alors, il a pris les deux titres de reine. Il a choisi deux reines. C'est pour ça qu'il y a trois tablettes funéraires. Au milieu, c'est pour le roi et sur les deux côtés, pour les reines. Et ça, c'est ici où on pose des offrandes ou bien on allume des bâtonnets d'encens. Et après cette table-là, c'est une sorte de lit royal. C'est comme si le roi est en train de mener une autre vie. Il y a la table, il y a le lit royal comme ça. Il y a les coussins au fond, mais tout ça c'est une reconstitution. Et sur les colonnes, il y a des socles comme ça, c'est pour mettre des bougies. À l'époque, il n'y a pas de néon, il n'y a pas de lumière comme maintenant, mais c'est allumé avec les bougies. Alors c'est pour mettre des bougies ou bien des lampes à pétrole. Deux reines. Les deux, c'est-à-dire une reine est décédée. La reine est choisie comme sa femme est choisie comme la reine. Et après, la reine est décédée. Donc le deuxième parmi les concubines. C'est quoi le petit vase là? Oui, mais ça signifie quelque chose. Tu vois? Tibeta, c'est quoi le petit vase là? On va voir le liquide dedans là. C'est quoi? C'est quoi un verre avec le liquide dedans? C'est de l'eau. De l'eau. C'est comme si des offrandes. C'est des offrandes. C'est souvent on met un régime, pas régime, un éventail de bananes et quelques gâteaux secs et de l'eau, c'est pour offrir au roi. C'est comme si l'anniversaire de décès ici. Ici, c'est tous les jours, on met, c'est pas ici, mais chez les familles, pour les ancêtres, pour les parents au jour de l'anniversaire, ou parfois c'est tous les jours, on met des fruits. Des bananes, des fruits et de l'eau aussi pour donner à boire, à manger aux âmes. Il y a 14 ans. Et dès l'âge qu'il pouvait avoir une relation, c'est toutes les nuits il y a des filles qui ne sont pas leurs femmes, ces femmes qui sont venues et ils pouvaient avoir des relations. C'est-à-dire comme si pour apprendre au roi la manière d'avoir des relations avec la reine et les concubines après. C'était l'âge de 12 ans, de 14 ans, quand il pouvait. Toutes les nuits, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rois qui sont malades après. C'est-à-dire qu'ils sont incapables.